C'est vrai.
à la vie, à l'œuvre de, d'Yves Guénat. Nous allons changer un peu d'échelle, c'est-à-dire que nous allons quitter Périgueux pour vous emmener vers des terres un petit peu plus lointaines. Nous irons donc au Maroc jusqu'à l'Institut de la présidence de l'Institut du monde arabe. Ensuite, nous aurons en visio mon collègue Frédéric Turpin qui nous parlera de la Côte d'Ivoire. Et enfin, nous terminerons par Michel Figeac qui nous parlera, et nous l'avons évoqué d'ailleurs ce matin, de l'historien et de l'écrivain. Voilà donc le programme de cet après-midi. Et ensuite, il y aura les conclusions que Bernard, je pense, se chargera de faire. Donc, nous allons commencer. J'ai le grand plaisir de donner et de laisser la parole à Madame Arlette Capdepuy, qui est agrégée d'histoire, qui a enseigné en lycée et qui surtout, parce qu'elle tient effectivement encore plus à ce qu'on le précise, fait sa thèse de doctorat sous la direction de Bernard Lachaise en 2013, si mes fiches sont à jour, sur Félix Eboué. Je lui laisse donc la parole avec grand plaisir pour une demi-heure. Elle va donc nous emmener du Maroc à la présidence de l'Institut du monde arabe. Chers collègues, vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente. Et je peux dire que si nous allons partir vers des terres plus lointaines, je ne vais pas vous apprendre beaucoup de facettes différentes de ce que nous avons entendu de Yves Guénat. C'est simplement le sujet que m'a proposé Bernard Lachaise, pour lequel je le remercie, permet d'approfondir la personnalité de Yves Guénat. Ce sont les écrits et les archives qui sont ici à Périgueux qui permettent de comprendre les liens qui ont existé entre Yves Guénat et le monde arabe. Des liens qui sont nés au début de la Seconde Guerre mondiale, quand il se bat au Proche-Orient et en Afrique, donc nous allons dépasser le cadre même du Maroc, entre 1941 et 1944. Des liens qui perdurent aussi tout au long de sa carrière jusqu'à l'exercice de la présidence de l'Institut du monde arabe entre 2004 et 2007. Donc, une constance qui montre ainsi un autre exemple de sa fidélité à travers sa fascination pour le monde arabe, une fascination qu'il a toujours eue très tôt, dès la guerre, et la fidélité aussi dans ses propres engagements. Donc, trois moments à distinguer dans la construction et le fonctionnement de sa personnalité. Tout d'abord, ce sera le premier point. Entre 1941 et 1944, quand il est un combattant dans les pays marocains, il a entre 18 et 22 ans. C'est le moment où sa personnalité se forge. Et donc, c'est un moment que je trouve extrêmement important parce qu'on va retrouver cette personnalité tout au long de sa vie. Deuxième point, ce sont les années 1947 à 1954, quand il est contrôleur civil au Maroc à sa sortie de l'ENA. C'est le moment où il a nourri sa réflexion sur la colonisation, décolonisation, le rôle de l'État, le rôle des hommes qui sont chargés d'administrer, en particulier le Maroc. Troisième point, entre juillet 2004 et février 2007, il devient le président de l'Institut du monde arabe. Et vous allez voir, ce sont vraiment les mêmes idées qui le disent. C'est la même personnalité que l'on retrouve, mais enrichie par l'expérience et par les luttes politiques. Donc, premier point. 41-44, Yves Guénat chez les Spahis marocains. La guerre, je crois que après ces trois demi-journées vraiment formidables que nous avons eues, tout le monde a compris que la guerre a été pour Yves Guénat, je le cite, un moment exceptionnel, sans précédent, sans égal. C'est très fort ce qu'il écrit. À son arrivée en Angleterre, je rappellerai qu'il avait déjà montré
une volonté ferme de se battre. On l'a dit hier, France Libre, il ne connaissait pas, mais ce qu'il voulait, c'était poursuivre la guerre, se battre, continuer. Hein. Et quand le général de Gaulle envoie vers ces jeunes hommes qui sont arrivés en Angleterre un officier qui les teste un petit peu, eh bien, il répond « Non, moi, je ne veux pas retourner en France, pas question, je ne veux pas m'engager dans l'armée britannique. Non, je veux poursuivre la guerre, hein, et pas pour 6 mois, lui dit-il, pour la durée de la guerre. » Bon, donc, on voit déjà que, bon, il avait un caractère, je pense, bien trempé déjà à 17, 18 ans. Deux éléments ont contribué à renforcer cette forte personnalité. Je dirais les chefs tout d'abord qu'il a côtoyés, je ne vais pas développer bien sûr, vous les connaissez tous. Ce sont des chefs prestigieux qui l'ont beaucoup marqué, qui ont été ses modèles comme chefs militaires, qui lui ont appris en particulier le respect des autres et je pense le respect d'hommes est déjà d'une autre culture. Je veux parler de Koenig, de Juin, de Leclerc et bien entendu du général de Gaulle qui restera la figure tutélaire qui fera son admiration toute sa vie. Deuxième point extrêmement important, sa personnalité s'est renforcée dans les combats qu'il a menés avec les Spahis marocains. Je rappelle, je reviens un petit peu en arrière, en août 41, il quitte l'Angleterre, direction l'Afrique du Sud, il fait partie de ces jeunes Free French, comme on les appelait, qui ont été divisés en deux, une partie a traversé l'Afrique centrale, le Tchad, et puis lui fait partie de ceux qui ont été dirigés vers l'Afrique du Sud, vers la Syrie, en passant par Durban. Je rappellerai ce que vous avez entendu hier. Il est alors un soldat de deuxième classe. Hein. Il n'a pas été jugé digne de suivre l'enseignement de sous-officiers ou d'officiers. Donc c'est comme soldat de deuxième classe qu'il part se battre au Proche-Orient. Et il arrive en Syrie à l'été 1941, vers la fin de ce qu'on a appelé l'affaire franco-française, une affaire extrêmement douloureuse, hein, puisqu'il s'agit de combats entre les Français qui suivent Vichy et ceux qui se sont engagés derrière le général de Gaulle. Donc, c'est son premier contact donc avec un pays arabe. Fin 41, il est intégré dans le 4e régiment de marche des Spahis marocains et il pourra écrire plus tard « J'ai été officier dans les Spahis marocains ». Il a commandé un escadron d'automitrailleuses, ce qu'on appelle la compagnie Guéna. Et il faut rappeler que les Spahis qui ont été créés, un corps d'armée qui a été créé en 1834, ne sont plus un corps de cavaliers, même s'ils ont été remaniés. Ils ont été remaniés durant la guerre de 14 par Hubert Lyautey. En 41-42, ils ont des escadrons de reconnaissance. Ils ont changé leurs chevaux pour des automitrailleuses qui les rendent extrêmement mobiles dans le désert à la recherche de l'ennemi. Et je crois avoir lu et compris que Yves Guéna a beaucoup aimé cette liberté qu'il avait et ce goût de l'aventure à la recherche de l'ennemi et surtout bon d'avoir surmonté les difficultés. Il faut rappeler que les Spahis marocains sont un régiment prestigieux qui l'a beaucoup marqué. Ce sont les Spahis qui ont contribué à sa formation militaire. Et je rappellerai simplement les mots du général Juin quand il partira à la tête du corps expéditionnaire français vers l'Italie avec une partie justement de ces Spahis. J'avais fort heureusement pleine confiance en cette bonne division marocaine, en son chef, en ses cadres, et Yves Guéna en est
hein, recrutés pour la plupart dans le Moyen Atlas marocain, tous combattants ardents, habitués à vaincre les difficultés. Et vous savez combien Yves Guéna a aimé, effectivement, toute sa vie, vaincre ses difficultés. Donc, le voilà au printemps 42 avec son escadron de Spahis envoyé en Libye, avec la brigade Koenig de première DFL. Elle devient à ce moment-là la première DFL. Une campagne qui est restée pour Guéna un souvenir absolument inoubliable. Parce que la brigade Koenig s'est illustrée à Bir Hakeim avec ses Spahis. Et Yves Guéna en a été vraiment profondément marqué. Bir Hakeim a été une grande victoire, un tournant dans la guerre, et je crois qu'on y revient actuellement pour bien le démontrer et le rappeler. Et moi, j'ajouterais que c'est là que Yves Guéna a gagné ses galons sur le champ de bataille. Et c'est vous dire combien c'était important pour lui. Une petite anecdote, quand bien plus tard, il va assister à une cérémonie à Saint-Louis des Invalides, il se trouve à côté d'un vieux militaire qui lui demande de se présenter et qui lui dit « Je suis Yves Guéna ». Il lui répond « Ah, Guéna, mais je vous ai vu à Bir Hakeim ». Donc, vous voyez un petit peu la fierté qu'il pouvait en avoir à juste titre. C'est là aussi, après Bir Hakeim, qu'il prend conscience de vivre un moment exceptionnel dont dépend le sort de la France. C'est un moment où l'image de la grandeur du pays commence à l'habiter. Il ne faut pas oublier que c'est à Bir Hakeim qu'il a échappé pour la première fois à la mort. Hein. Il a senti à un moment, dit-il, quelque chose qui l'a brûlé dans le dos, et quand il a eu la liberté de toucher le dos, bon, il n'y avait rien, mais il a compris qu'il avait échappé à la mort. Et pour lui, il en a fait un signe extrêmement positif, et il le dira plus tard, j'ai eu l'orgueil de croire que j'échapperai à la mort jusqu'à la fin de la guerre. Donc, vous avez tous compris qu'Yves Guéna aime le combat parce qu'il constitue un moment d'action extraordinaire qui demande à un homme de s'adapter, de comprendre, d'agir très vite et d'être efficace. Et là, on a bien sa personnalité. C'est en Tunisie qu'il poursuit la guerre jusqu'à juin 1943 avec une partie des Spahis. À l'automne 43, dans le sud tunisien, ses Spahis sont intégrés avec lui dans la colonne Leclerc qui remonte du Tchad vers le Fezzan depuis janvier 43. En septembre 43, ils partent tous vers le Maroc, donc avec Leclerc. La colonne séjourne au Maroc 8-9 mois, de septembre 43 à avril 44. Et vous le savez, c'est au Maroc que Leclerc a forgé sa deuxième DB, un véritable outil de combat. Ils sont, ils sont installés. Bon, je reviens en arrière. Voilà, ils sont installés avec Leclerc à 7 km au sud de Rabat, à Témara, dans les champs, dans la forêt, sur la plage. Il y a des guitounes absolument partout et les soldats ne sont pas du tout en villégiature. Leclerc impose aux soldats une formation militaire hors pair, discipline de fer, entraînement toute la journée, manœuvres et exercices innombrables avec du matériel compliqué, coûteux, qui arrive d'ailleurs à Casablanca, expédié par les Américains, un armement qui exigeait une compétence qui ne s'acquiert pas en 8 jours. La deuxième DB devait être l'arme du combat qui devait aider les alliés à gagner la guerre, et elle le fut, une mission parfaitement accomplie. Donc en avril 44, le message tant attendu arrive, on repart sur l'Angleterre pour débarquer en France et pour terminer la guerre. Jean-François Murassiol a écrit que les soldats FFL qui avaient combattu en Afrique du Nord auraient connu un véritable attrait, voire un envoûtement
à n'en pas douter, je suis persuadée que Yves Guéna fut de ceux qui furent envoûtés. C'est là qu'il a acquis la volonté de vaincre les difficultés, de ne jamais reculer. Il a eu conscience d'avoir eu la chance d'échapper à la mort. Il a compris la nécessité, surtout, de bien encadrer, de bien commander les hommes, la nécessité d'avoir une bonne connaissance de la situation, d'avoir une détermination à toute épreuve dans un cadre de règles bien établi. Pour moi, je vois Yves Guéna comme ça. L'empreinte extraordinaire que l'AFN et le Maroc en particulier a exercé sur lui l'amène en 47 à sa sortie de l'ENA à demander un poste au Maroc. Voilà. Alors, avant d'en arriver là, 47 à 54, comment et pourquoi ce choix ? En 1945, Yves Guéna choisit de revenir à la vie civile. Vous le savez, il a charge de famille, il doit gagner sa vie. Mais par ses relations familiales, il a entendu parler du projet de création d'une école nationale, d'une administration. Et il s'est dit, servir l'État, mais voilà qui me convient mieux que d'entrer dans les affaires. Servir, c'est le langage du soldat. Encore. Hein. Yves Guéna veut se consacrer au fonctionnement de son pays, participer à son relèvement, être utile, et c'est ainsi qu'il choisit l'ENA. Alors, pourquoi l'ENA et pas l'ENFORM, la vieille école nationale de formation d'outre-mer ? Bon, c'est que je pense qu'il a déjà une idée, il ne veut pas seulement être administrateur. Hein. Et puis, il y a différentes raisons. Surtout, il a pensé qu'il avait plus de chances de réussir le concours d'entrée dans une école nouvelle, complètement inconnue, dont on ne disait pas grand bien, on l'a oublié, et à laquelle on n'accordait aucun avenir. Il savait aussi qu'une note civique serait attribuée aux candidats pour leur service pendant la guerre. Et il a reconnu très humblement que c'est cette note de 20 sur 20 qui lui a ouvert les portes de l'ENA. Je le cite, « Je fus reçu fort juste, mais j'en sortis fort bien ». Et il est sorti major de la section « Administration générale ». Le 1er mars 1946, il entre à l'ENA dans la première des trois promotions prestigieuses d'après-guerre, la sienne et France combattante. À sa sortie de l'ENA, il délaisse donc le Conseil d'État, où son rang lui permettait d'être accueilli. Il demande à être envoyé au Maroc comme contrôleur civil, il entend agir. Il veut être utile dans un pays, je le cite, où il sait qu'il y a beaucoup à faire, un pays qui m'avait séduit pendant la guerre et où se préparaient de grands changements. Le voilà nommé contrôleur civil au Maroc le 21 juillet 1947, un protectorat qui avait bien changé depuis 1912 et depuis les années 30 et surtout depuis l'arrivée des Américains en 1942. Le pays était ajouté par des mouvements nationalistes qui réclamaient des réformes. Le sultan lui-même n'est plus décidé à courber les chines devant le résident général. C'est Lyoté qui a créé, je le rappelle, en 1912-1913, le concours de recrutement des contrôleurs civils au Maroc. Lyoté avait besoin d'hommes dotés de connaissances solides, capables de comprendre une situation, de s'adapter, de gérer, de commander des hommes. Le profil d'Yves Guéna, finalement, en 1947. Quand il arrive en juillet 1947, il arrive en même temps que le général Jouin, qui arrive comme résident général avec mission de calmer un peu l'agitation. Et qui va réussir par son prestige. Yves Guéna a occupé différents postes, à la fois dans le Moyen Atlas, vous le voyez, et dans le Haut Atlas. Alors, quelle a été son action comme contrôleur civil ? De 47 à 51, il est dans le Moyen Atlas. Il partage la vie traditionnelle des Berbères, hein, qu'il a beaucoup appréciée avec sa femme Oriane d'ailleurs, dans une circonscription entre le bassin de Meknès, où l'on comptait de nombreux colons français, et les plateaux caillouteux où les Berbères faisaient paître leurs troupeaux de brebis et de chèvres. Yves Guéna n'ignore rien de la situation politique, hein, le nationalisme qui se développe depuis plusieurs années dans les centres urbains, mais le bled et les terres montagneuses lui semblaient rester plus attachés à la tradition.
À ce moment, les contrôleurs civils ont un rôle important. Ce sont des commissaires du gouvernement, d'Emissi, Dominici, qui ne se contentent pas d'assister les chefs locaux, les caïds, comme on les appelle. Ils ont un rôle direct d'administration pour faire respecter les coutumes locales et participer au maintien de l'ordre tout en associant les caïds. Pour le reste, dit Yves Guéna, nous essayions, avec les moyens du bord, c'est-à-dire de modestes crédits et la main-d'œuvre locale, de mettre nos circonscriptions en valeur. Pistes améliorées, petits travaux d'hydraulique, modernisation agricole, marché aménagé. Combien de fois ai-je chevauché ainsi à travers les étendues pierreuses des hauts plateaux du Moyen-Atlas avec sa femme, Oriane, quand elle n'était pas enceinte. Comme il ne me disait pas qu'il parle des Berbères, qu'il souhaitait l'indépendance, je croyais qu'il ne s'y intéressait pas, jusqu'à ce que je découvre le Maroc des villes et l'agitation sporadique qui allait suivre le départ du maréchal Juin. « J'ai vécu avec délectation, dit-il, ce Maroc féodal, comme un fruit mûr en fin de saison. » C'est en juillet 1951 que le général Juin quitte le Maroc pour prendre le commandement d'opérations dans le centre de l'Europe. Il est remplacé à ce moment-là par le général Augustin Guillaume et l'agitation reprend d'ailleurs immédiatement. Le général Guillaume appelle à ses côtés le colonel Ollier et c'est lui, gaulliste convaincu et fervent, qui fait appel à Yves Guéna pour établir des notes et des rapports, un travail de jeune énarque finalement. De ce fait, il est en résidence à Rabat de 51-53, il est au courant des événements, il a tissé de nombreux liens, en particulier avec les nationalistes, il a dit que les relations avaient été faciles avec les modérés, impossibles avec les partisans de l'Istiqlal. Il a pu discuter aussi avec les hommes proches du sultan favorables à des réformes. Et c'est à ce moment-là que Yves Guéna juge très sévèrement les responsables français à qui il reproche l'absence d'une attitude ferme et ouverte qui a empêché toute évolution positive. Je le cite, « En cette circonstance, j'ai pu toucher du doigt la décrépitude du pouvoir sous la IVe République ». En 1954, il est nommé dans le Haut-Atlas, dans la région de Demnat, à une centaine de kilomètres de Marrakech. L'agitation a repris dans les campagnes et même chez les Berbères. Yves Guéna constate une agnée de violence avec des assassinats de colons français. Lui, en tout cas, vous imaginez, n'est pas décidé à reculer. Il veut manifester son autorité de représentant de l'État, à montrer qu'un commissaire de la France a du courage. Il raconte lui-même qu'un jour de fête de l'Aïd, un caïd est venu le voir, lui disant, mais monsieur Guéna, il faut pas y aller, tout le monde est en agitation, on m'a menacé de mort. Et vous imaginez la réponse d'Yves Guéna, on y va. Et Yves Guéna y est allé avec sa femme. Et ils ont été reçus par les youyou des femmes. Donc, il a exprimé son regret de la faiblesse du gouvernement de la IVe République, faute d'avoir été gouverné, nous avons tout perdu. Finalement, en 1954, il est nommé au ministère des Affaires marocaines et c'est au Quai d'Orsay qu'il va suivre l'évolution politique jusqu'à la fin du protectorat. Yves Guéna et sa femme ont quitté le Maroc avec regret et nostalgie parce que la vie n'avait pas été très facile, mais il a toujours pensé que la décolonisation serait peut-être pas très facile et qu'il fallait à la tête de l'État une pensée claire, une grande habileté sur place avec des gouverneurs capables. Il fallait des hommes capables de faire appliquer les décisions, de faire respecter l'ordre. Et je ne sais pas s'il a dit, comme j'ai entendu hier, que la colonisation avait été honorable. Peut-être ailleurs, mais au Maroc, il a été extrêmement sévère sur l'administration. Et donc, des années plus tard, le président Chirac va lui proposer, en juillet 2004, la présidence de l'Institut du monde arabe. Donc, il devient président. En juillet 2004, il a 82 ans. Et c'est le président Chirac qui lui demande de prendre la tête de l'Institut du monde arabe. Alors, les raisons de cette nomination,
alors qu'il avait passé qu'il avait eu des relations difficiles avec Jacques Chirac. Bon, bien sûr, à cause de la situation financière de Lima, et on connaît la rigueur budgétaire de Yves Guéna, mais surtout parce que le président Chirac a besoin d'un bon connaisseur du monde arabe, et Yves Guéna l'est, ayant joué un rôle important dans les années 1960, quand le général a développé la politique arabe de la France. Le président Chirac a besoin aussi d'un homme d'autorité, intègre, expérimenté, qui sait dialoguer. Qu'est-ce que c'est que l'Institut du monde arabe en 2004? Tout d'abord, c'est une fondation singulière depuis février 1980. C'est un organisme qui a été envisagé par le président Giscard d'Estaing en 73, et c'est le président Mitterrand qui l'a inauguré en 87. Et elle a été ouverte au public en 1980. L'acte de fondation précise la mission de l'Institut. Lima a pour but de développer la connaissance du monde arabe, d'animer une recherche en profondeur sur sa langue, ses valeurs culturelles et spirituelles, ainsi que de favoriser les échanges et la coopération. Effectivement, ce convenait très bien à la personnalité de Yves Guéna. Lima pour le public a été un centre et est encore un centre culturel prestigieux. C'est aussi une organisation internationale avec vocation scientifique et vocation diplomatique. Mais sur le plan juridique, Lima est une fondation de droit privé qui a été à l'origine de tous les dysfonctionnements. Donc, c'est une fondation qui a un fonctionnement particulier parce qu'il doit être géré à parité par la France et les États membres de la Ligue arabe. Donc, un président français, une direction générale issue d'un État arabe, des ambassadeurs membres de la Ligue arabe, mais pas de représentants de la France. Et il est sous la tutelle, entre guillemets, parce que les juristes ne sont pas tous d'accord sur cette expression, il est sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Et à partir de 2005, il s'agit de Douste Blasi. À partir de 1996, la Cour des comptes exerce un contrôle sur les finances de Lima parce que la situation est véritablement catastrophique. Le déficit est énorme, les recettes sont très loin de subvenir aux dépenses et les dépenses sont de plus en plus importantes, les expositions coûtent très cher, il faut augmenter les effectifs et les salaires, l'entretien du bâtiment qui vieillit mal, Jean Nouvel a fait un très beau bâtiment, mais la fonctionnalité est parfois défaillante, le renforcement de la sécurité aussi avec le terrorisme coûte très cher, et surtout, les États arabes ne payent pas régulièrement ou ne payent pas du tout. Quelle a été l'action du président Guéna? Il a donc obtenu par son réseau de relations que certains pays arabes payent, si bien qu'à la fin de 2005, il peut constituer un fonds de dotation de 38 millions d'euros, ce n'est pas rien. Mais en 2006, la Cour des comptes pointe encore un déficit énorme. L'Irak doit plus de 13 millions d'euros, la Libye presque 13. Et donc, il propose un plan de redressement, mais en 2006, il a encore besoin de 15 millions d'euros. Il se tourne donc vers le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Douste Blasi, et le 4 juillet 2006, il lui écrit avec un référé au Premier ministre, il lui propose des solutions. Réponse le 21 juillet de Douste Blasi. Il accepte de payer pour 2005 ce qu'il doit. Et pour 2006, il lui dit « je verserai une contribution par anticipation, mais je pose des conditions ». Et puis finalement, le 17 octobre 2006, nouvelle réponse « je ne peux pas vous payer des montants aussi importants qui ne me sont pas actuellement disponibles ». Et il ajoute dans sa lettre une petite leçon de morale, je vous laisse imaginer la réaction de Yves Guéna. Il me semblerait utile de réfléchir à faire des efforts supplémentaires pour que votre institut puisse être en mesure de fournir des moyens financiers. Il me semble important que les partenaires arabes soient sensibilisés à la nécessité d'aider Lima et de s'acquitter de leur arriéré. Réponse immédiate
du président Guéna. Je ne fais que m'activer après plusieurs années d'inaction. Il énumère tout ce qu'il a fait. Et finalement, à la fin du mois de novembre, quelle a été l'action secrète au sommet de l'État? Le ministre Doust Blasi accepte de payer en le saluant pour tous les efforts qu'il a déployés. Alors, c'est vrai que cette histoire de déficit budgétaire a pesé très lourd, hein. Les archives de la Cour des comptes font des observations extrêmement sévères, mais pertinentes, il faut bien le remarquer, sur un certain nombre de points qui ne relèvent pas tous du président Guéna. Et la Cour des comptes réclame vraiment une clarification sur de nombreux points. Alors, cependant, je ne veux pas résumer l'action d'Yves Guéna à la gestion des questions financières. Il faut pas oublier que Yves Guéna a été à l'origine, lui, qui avait un goût de l'histoire et de la littérature extrêmement prononcé, qui était un homme de grande culture, qui était absolument fasciné par la civilisation arabo-musulmane. Il a préparé des expositions exceptionnelles. Bon, la première, le pharaon, je les ai pas tous mises là, le ciel dans un tapis. Je continue. L'âge d'or des sciences arabes, Venise et l'Orient, des expositions inoubliables et qui ont ravi les visiteurs. Mais enfin, je vais en nommer d'autres, la Méditerranée des Phéniciens, l'Orient des photographes arméniens, c'est-à-dire des expositions que la Commission des finances du Sénat regrette un peu parce que elles sont vraiment stricto sensu. Elle s'éloigne de la vocation strictement arabe de Lima et surtout elle coûte très cher et il semble pour le Sénat comme pour la Cour des comptes qu'il y a là une contradiction qui a coûté cher véritablement à l'institution. Donc, pour conclure, Yves Guéna n'a pas résolu tous les problèmes. Hein. Bon, il a préparé la tâche par contre de son successeur. Sinon, vraiment, sous la présidence d'Yves Guéna, on se demandait si Lima n'allait pas faire naufrage. Son successeur est Dominique Baudis, qui va présenter un véritable plan de sauvetage avec une proposition de contrôle interne de gestion, avec un haut conseil qui permettra d'orienter les stratégies et qui allait permettre de répondre toujours aujourd'hui à la vocation première de Lima. À ce que je sache, il y a toujours des expositions, et cette semaine, en ce moment, je suis sûre, Kif Kepel est en train de faire une conférence sur le Proche-Orient. Donc, en conclusion, à 82-84 ans, sa gestion de Lima n'a pas été une simple consécration de carrière, ce fut un travail très difficile, compliqué, il n'a pas vraiment été aidé par le Quai d'Orsay, mais ce fut une nouvelle occasion pour lui de mettre au service de son pays toutes ses connaissances, son réseau, son sens de la diplomatie, sa conception de l'État, et sa présidence est l'aboutissement d'un long engagement au service de l'État, au prisme de ses relations avec le monde arabe, auquel il s'était fortement attaché dès la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est qu'un des prismes de la longue carrière d'Yves Guéna, et les autres prismes, on vous les a développés longuement avant de donner la parole à Monsieur Figeac pendant ces 3 demi-journées. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'est plus qu'un prisme, parce que vous nous avez finalement fait voyager, mais vous nous avez montré ce qui est toujours si important dans la construction d'une personnalité, ce qu'on peut appeler le temps des apprentissages. Et ce temps des apprentissages, vous nous avez montré qu'il était important à la fois pour l'apprentissage du caractère, et je reviens à l'expression que Sylvie Guillaume avait employée ce matin sur le caractère guerrier, et on voit bien d'Yves Guéna comment effectivement il s'est forgé. Vous nous avez parlé également du langage du soldat, et ce temps des apprentissages, il est particulièrement important. Vous nous avez également montré l'empreinte du Maroc, sa fascination pour cette civilisation arabo-musulmane. Et vous nous avez montré également
très important tout au long finalement de son cursus honorum, c'est-à-dire son engagement au service de l'État qu'il a voulu, qu'il a souhaité en préparant effectivement l'École nationale d'administration, l'ENA. Donc, je crois que vous nous avez éclairé à la fois sur une personnalité et sur, effectivement, des moments importants au Maroc. Alors, moment important, on a vu également que Yves Guéna était finalement tout à fait, c'était quelqu'un qui prenait les affaires africaines, c'était un de ses sujets de prédilection à cœur, et c'est pour ça que nous allons entendre maintenant la communication de Frédéric Turpin, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Chambéry, et naturellement, il va nous mener, lui, en Côte d'Ivoire, jusqu'à la présidence, jusqu'à l'Académie des sciences d'outre-mer, et on va lui poser la question que vous avez posée, hein, effectivement, à nouveau. Est-ce qu'Yves Guéna a dit que, et nous en avions parlé, je crois, hier également, que la colonisation était honorable, la décolonisation exemplaire. On va donc laisser Frédéric Turpin peut-être répondre à travers sa communication d'une demi-heure, cher Frédéric, à cette question. Tu as la parole, Frédéric, c'est à toi. À distance, et je m'excuse évidemment auprès de toutes et de tous pour mon absence physique, mais des lourdes contraintes d'emploi du temps m'empêchaient de faire le saut de puce très compliqué de Chambéry à Périgueux. C'est plus simple, comme vous savez, d'aller à Paris plutôt que d'aller de traverser la France par le Midi. Alors, Yves Guéna a été élu le 16 décembre 1983 à l'Académie des sciences d'outre-mer, c'est-à-dire à la Somme pour la suite de mon propos. Et il est installé à sa demande par son ancien camarade de la France libre et collègue du gouvernement, le gaulliste Pierre Messmer, le 24 mai 1985. Son entrée à la Somme n'est pas le fait d'une coquetterie de retraité qui en userait tel un passe-temps agréable par les sujets traités et bien sûr la bonne compagnie fréquentée. Comme nous savons tous très bien, au moins depuis deux jours, Yves Guéna n'est pas retraité en 1983-85, loin s'en faut, au maire de Périgueux, ensuite député, sénateur, conseil constitutionnel, bref, une carrière très remplie jusqu'au bout, finalement. Cela ne l'empêche pas de prendre le temps, lorsqu'il le peut, de participer aux travaux de l'Académie des sciences d'outre-mer, mais cette participation ne tient rien du hasard, très clairement. C'est pour lui une marque de fidélité et de continuité dans son parcours humain et professionnel qui se décline bien sûr autour du gaullisme, mais aussi autour de l'outre-mer. Il entend continuer à travers l'Académie des sciences d'outre-mer à y témoigner sa fidélité à une certaine idée de la France. Son choix du contrôle civil du Maroc à la sortie de l'ENA, alors qu'une carrière est au Conseil d'État ou dans un autre encore, est possible, je ne reviens pas sur ce sujet qui était déjà abondamment traité, a été à l'époque même diversement commenté. Mais Yves Guéna croyait alors, comme tant de ses contemporains, à l'Empire et à la mission civilisatrice que la France y accomplissait. À l'instar du général de Gaulle, il a toujours clamé son attachement à l'Empire, à l'œuvre accomplie et ensuite au bienfait d'ailleurs de la décolonisation. Sa fidélité à une certaine idée de la France n'est pas seule en cause. C'est aussi pour lui une marque d'attachement à un monde en voie de disparition, qui alliait un patriotisme vivant, un certain ordonnancement social. C'est d'ailleurs ce qu'il laisse percer lors de sa réception à l'Académie, en mai 1985, en se félicitant tout d'abord de sa solennité, et ensuite, je le cite, dans une civilisation où l'absence de règles est devenue la règle, où les grandes liturgies se dégradent, il est bon que des traditions que je ne tiens nullement pour désuètes se perpétuent ainsi, même si dans notre compagnie, l'on ne porte ni habits brodés, ni armes de parade. Fin de citation. Alors je diviserai mon propos en trois temps. Un premier temps sur une colonisation assumée, et je pense commencer à répondre à la question qui m'a été posée par Madame la Présidente. Ensuite, le temps fort, évidemment, communauté et décolonisation à Abidjan. Et enfin, maintien de liens forts post-coloniaux.
Yves Guéna analysait la raison principale de la colonisation, comme je cite, je l'ai cité un certain nombre de fois d'ailleurs Yves Guéna, qui a beaucoup écrit, une de ses grandes pulsions de l'histoire de l'humanité. Et là je vais le citer, ce fut le temps du partage du monde. Chaque pays se disait que s'il n'occupait pas tel territoire, c'est une autre puissance qui s'en saisirait. Mais c'était au moment même où la France, meurtrie par le désastre de 1870, cherchait une nouvelle raison de vivre, un dérivatif outre-mer avec l'expansion coloniale. Nos déboires en Europe nous rendirent plus sensibles que tout autre peuple à ce courant de conquête. C'est d'abord pour exister face à nous-mêmes et face aux autres puissances que, au-delà de tous les autres motifs, nous nous sommes donné notre second empire colonial. Et il gagna de conclure, devant l'Académicien d'Outre-mer, « La France était la France parce que son drapeau flottait sur tous les continents. » Fin de citation. Son analyse historique se mêle étroitement, bien sûr, comme on a pu déjà le noter au cours des communications précédentes, avec ses expériences personnelles, tant dans la France libre qu'en Côte d'Ivoire, en passant par le Maroc, bien sûr. Cette grande aventure, c'est-à-dire la colonisation, ne fut, explique-t-il toujours le 24 mai 1985 devant la Somme, qu'une courte étape de l'histoire du monde, et tout le monde s'est laissé surprendre par sa brièveté. Yves Guéna assumait pleinement ces années passées au service de la plus grande France, de cette France impériale à laquelle il avait longtemps cru, à l'instar de son mentor Charles de Gaulle. En recevant Pierre Morisot à la Somme en 1993, Pierre Morisot, un ancien du contrôle général aussi du Maroc, il affirmait hautement qu'il avait servi l'Empire, je le cite, avec bonne conscience, détaillant une vision de l'Empire et de ses serviteurs, qui avait été longtemps d'ailleurs la doxa officielle. Vous vous rappelez, monsieur, dit Yves Guéna, le sentiment qui nous animait au Maroc. Nous avions la fierté d'avoir assuré l'ordre dans un pays naguère déchiré. Nous nous y efforcions d'y garantir la justice, nous nous attachions à sa mise en valeur. Et nous agissions sans que l'intérêt mercantile, même national, fût au premier rang de nos soucis, et surtout dans le respect de la société que nous contrôlions, de ses us et coutumes, de sa religion. La citation. Toutefois, Yves Guéna admettait qu'il eut progressivement, je cite, « moins bonne conscience de n'avoir pas toujours saisi la force de revendication qui procédait du sentiment national, qu'il s'appuya sur une réalité historique, comme au Maroc, en Tunisie, dans nos possessions d'Indochine, à Madagascar, ou sur la prise de conscience d'une identité, comme en Algérie, ou bien comme en Afrique, sur des divisions administratives, d'abord artificielles, mais peu à peu modelées en États et en nations. Guéna livrait ainsi une analyse très gaullienne du processus de décolonisation. Dans un monde dominé par les nations et les États qui les défendent, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne pouvait que primer sur une conception impériale de la puissance française. C'était bien aussi le chemin parcouru, peut-être plus tôt, bien sûr, par le général de Gaulle, et en particulier à son retour au pouvoir en 1958. Voilà plus de 30 ans, nous explique Yves Guéna, que tout est accompli. Nous savons désormais que la renaissance ou la naissance de ces nations était inéluctable, que l'indépendance est l'aspiration naturelle des peuples. Mais avec le recul de temps, nous pouvons de nouveau, sans rougir, apprécier l'œuvre accomplie par la France. Un moment, nous avions pu imaginer que notre empire, au prix de réformes et de transformations, voire de mutations profondes, pourrait se maintenir. Non, la période de la colonisation n'aura été qu'un temps, ô combien bref, de l'histoire du monde. Nous la tenons désormais pour telle, sans nostalgie, et nos anciens colonisés aussi, et généralement sans rancœur. Fin de citation. Avant d'être attaché à la mémoire d'une certaine idée de la France et de sa déclinaison ultramarine, Yves Guéna en a été un serviteur, un grand commis de l'État impérial français au Maroc. La fin du protectorat l'a obligé, nous le savons, à revenir en France et à œuvrer au Conseil d'État. Entre parenthèses, il y a quand même pire comme punition. Mais lorsque l'occasion s'est présentée,
après avoir été au cœur du processus d'élaboration de la Constitution, au cabinet de Michel Debré, il reprend du service en Côte d'Ivoire, dans ce qui n'est plus l'Empire, à proprement parler, et même plus la France d'outre-mer. Cette promotion, il la doit à Michel Debré, qui entend remercier son précieux collaborateur avec ce qui est alors un des plus beaux postes ultramarins. Alors même que les hauts commissaires nommés d'autres postes, d'autres également d'autres capitales africaines de la communauté, sont quasiment tous des anciens cadres de la France d'outre-mer. En tout cas, c'est dans cet ultime poste africain qu'il gère la fin, plus rapide que prévu, de la communauté franco-africaine. Communauté franco-africaine organisée, je vous le rappelle, par la version initiale du titre 12 de la Constitution de la Ve République. Alors, en juillet 1959, lorsqu'il est nommé haut commissaire de la République française auprès de la République de Côte d'Ivoire, État membre de la communauté, le grand projet gaullien de communauté est en place. De Gaulle l'a pensé comme une sorte d'antichambre des indépendances dans l'amitié avec la France. Mais cette étape du processus de décolonisation devait, dans l'esprit du général de Gaulle, durer 20 ans. C'est ce qu'il indique à Pierre Messmer, fin juin 1958, lorsqu'il le nomme haut commissaire de France en Afrique occidentale française. En arrivant à Abidjan à l'été 1959, Yves Guéna, à l'instar du général de Gaulle et du gouvernement français, espère bien avoir dépassé les difficultés liées à la mise en place de la communauté. Il s'agit donc à ce moment-là de la faire vivre, et ce pour de longues années. Guéna se trouve dans une position singulière, au regard des autres hauts commissaires en poste en Afrique. Le chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, est un des plus fervents soutiens africains de la communauté. Il est aussi un des principaux personnages de cette construction nouvelle. Et enfin, de par l'importance de la Côte d'Ivoire dans le dispositif, mais aussi le fait qu'il a été un cacique de la vie politique française. N'oublions pas que Félix Houphouët-Boigny était un des quatre ministres d'État dans le gouvernement de Gaulle, le dernier de la 4e République, en 1958. Toutefois, cela n'empêche pas le leader ivoirien de se montrer critique à l'encontre de la France. Ce qui est en cause, et ce qui lui de plus en plus mal, c'est la primauté française sur les organes de décision de la communauté institutionnelle. Alors qu'il appelle de ses voeux une union qui soit plus fédérale, dans laquelle la République française et les États africains seraient plus à égalité. D'autres dirigeants africains, quant à eux, réclament également plus de compétences, mais dans une optique très différente, puisque cela vise fondamentalement à obtenir une distanciation statutaire avec la France, prélude à une véritable indépendance. Ces revendications africaines se heurtent au moment où Yves Guéna prend son poste, en juillet 1959, à l'opposition du gouvernement français qui n'entend pas partager ses prérogatives souveraines. La mission du nouveau haut-commissaire se réduit ainsi rapidement à gérer la désagrégation de la communauté auprès d'un de ses plus fervents défenseurs. C'est là évidemment que réside toute l'originalité de l'action d'Yves Guéna. Et dès septembre 1959, les États du Sénégal et du Soudan, réunis dans la Fédération du Mali, font savoir officiellement à la France, aux grandes dames du leader ivoirien, qu'ils veulent accéder à l'indépendance dans le cadre d'une confédération multinationale. Madagascar les imite bientôt. Mais il faut bien comprendre qu'ils n'appellent pas de leur vœu une rupture complète avec la République française. Au contraire, ils indiquent vouloir rester dans la communauté, à condition bien sûr qu'elle soit réformée. La France se trouve dès lors confrontée à un dilemme politique crucial. Faut-il accorder l'indépendance et faire disparaître une communauté institutionnelle, titre 12 de la Constitution, à peine née? Ou au contraire, faut-il s'accrocher à cette communauté, coûte que coûte, avec les États africains qui le souhaitent, comme, bien sûr, la Côte d'Ivoire du président Félix Houphouët-Boigny. Lors du conseil exécutif de la communauté de Saint-Louis
du Sénégal en décembre 1959. De Gaulle tranche et prend acte des demandes d'indépendance des États membres de la communauté. Pour lui, comme pour Yves Guéna, c'est une page de l'histoire de France qui se tourne. C'est une mue nécessaire à opérer si la France veut continuer à exister. Pour Fouet-Boigny, la pilule est également très amère. Comme Yves Guéna l'explique au Premier ministre Michel Debré dans une missive personnelle du 11 janvier 1960, Félix Houphouët-Boigny a décelé pendant des semaines pour éviter une prise de position hâtive dans le sens du Mali et de Madagascar. Et il a fallu à Yves Guéna beaucoup de persévérance respectueuse pour convaincre Félix Houphouët-Boigny de se rendre finalement en personne au Conseil exécutif de Saint-Louis. Ce qui ne fut pas chose simple, tant le président ivoirien sentait bien que la France allait lâcher la communauté institutionnelle. Mais Guéna savait aussi que l'évolution de la communauté n'était pas favorable à la thèse du leader ivoirien. Houphouët-Boigny, c'est écrit Yves Guéna à Michel Debré, estime qu'il a été trompé par le feu vert Goliath. Le haut-commissaire Guéna se doit dès lors de renouer les fils d'un dialogue confiant jusqu'ici avec un des principaux leaders africains qui résume sa situation par une formule célèbre « J'ai attendu la fiancée sur le parvis de l'église, un bouquet à la main. La fiancée n'est pas venue, les fleurs sont fanées. » Fin de citation. Les dirigeants français n'entendent pas pour autant faire disparaître complètement la communauté à l'instar du Premier ministre Michel Debré, avec qui Yves Guéna est resté en contact rapproché. Il est également en contact rapproché avec Jacques Foccart, le tout nouveau en 1960, secrétaire général pour les affaires africaines et malgaches et la communauté. Le maintien de la France dans son ancien empire colonial passe dès lors par la superposition d'une communauté rénovée, dite contractuelle, avec l'ancienne, dite institutionnelle, celle du titre 12 de la Constitution. Il s'agit pour la France d'offrir aux États membres de la première communauté, qui vont devenir indépendants, la possibilité d'y demeurer sous la forme d'une association formalisée par des accords de coopération avec la France et à l'intérieur de ces accords de coopération, des clauses stipulant les modalités de la participation de ces États aux institutions de la communauté. Par la loi du 4 juin 1960, la France procède à la réforme nécessaire de ses institutions afin de permettre le maintien d'un ensemble franco-africain sous la forme d'une communauté rénovée sur une base donc contractuelle. Mais le sort de la communauté rénovée est rapidement scellé par le refus, assez inattendu compte tenu de ses positions initiales, refus d'y adhérer de la Côte d'Ivoire et de son président, Félix Houphouët-Boigny, suivi par les pays du Conseil de l'Entente. Pour Houphouët, la question centrale n'est plus tant la communauté rénovée elle-même, car il appelle de ses voeux le maintien de liens étroits d'amitié avec la France, dont il a d'ailleurs un besoin vital. Ce qui pose problème et motive finalement le refus du président ivoirien est fondamentalement une affaire de concurrence et de surenchère pour le leadership de l'Afrique francophone. Une Afrique francophone en voie de décolonisation en ces années 1960-1961. Or, comme l'explique Yves Guéna au Premier ministre Michel Debré, Félix Houphouët-Boigny est sorti consterné et affaibli par le résultat du Conseil exécutif de Saint-Louis, alors qu'il s'était posé, je cite Yves Guéna, en champion de la communauté, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi face à l'Afrique et au monde. Il doit donc reprendre la main. Cette transition rapide vers les indépendances africaines n'est donc pas de tout repos pour le haut-commissaire Yves Guéna. Il doit gérer tout au long de l'année 1960 et du premier semestre 1961 les états d'âme du président ivoirien qui conduisent même à des tensions avec Paris. Pendant des semaines, le leader ivoirien entretient le flou sur ses intentions, jusqu'à ce qu'il annonce unilatéralement peu après d'ailleurs son entretien avec le général de Gaulle en juin 1960, ce qui est très mal perçu, la volonté des quatre États du Conseil de l'Entente, traduisé fondamentalement de la Côte d'Ivoire, de proclamer leur indépendance en
en août, mais, et c'est là le problème pour la France, sans signer en même temps des accords de coopération avec la France. Il s'agit de bien marquer sa différence avec les pays africains qui ont fait jusqu'ici la course en tête des indépendances. Cette ultime phase de négociation, après l'indépendance de la Côte d'Ivoire proclamée donc unilatéralement le 7 août 1960, a probablement été la phase la plus compliquée du séjour d'Yves Guéna à Abidjan. En effet, en proclamant unilatéralement l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Oufouette se montre plus que réservé sur le fait d'inclure dans les futurs accords de coopération avec la France l'appartenance à la communauté réunie. À Paris, les esprits s'échauffent et on accuse le pourtant très francophile Félix Houphouët-Boigny de torpiller la communauté contractuelle dite Rhénanie. De Gaulle voit même rouge et trouve Houphouët, je le cite, exagère, ce qui, dans la bouche de Gaulle, signifie que c'est très sérieux. Il explique ainsi à Michel Debré en novembre 1960 qu'à partir du 1er janvier, je cite De Gaulle par exemple, s'il n'y a pas d'accord de coopération, 1er janvier 61, les facilités que nous lui donnons, notamment en ce qui concerne l'achat de certains produits, devraient disparaître. En tout cas, être mises en cause. Fin de citation de Gaulle. Le 16 janvier 1961, le Premier ministre Michel Debré, qui reprend l'affaire en main, rencontre longuement à Paris celui qui est devenu en tout temps le président de la République indépendante de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. S'ensuit plus de 2h30 d'entretien très tendu entre les deux hommes, puisque deux jours avant cet entretien à Paris, le ministre de l'Information de la Côte d'Ivoire a indiqué publiquement que les États de l'entente, donc je traduisais toujours la Côte d'Ivoire, acceptent les accords d'aide et de coopération, mais pas ceux relatifs à la communauté. Donc au cours de ces 2h30 d'entretien entre Debré et Houphouët, Houphouët maintient cette position de refus de la communauté rénovée, car il entend jouer, dit-il, un rôle de premier plan. Ce rôle de premier plan, pour le jouer, il doit être un homme libre, je cite toujours Houphouët, qui n'apparaisse pas lié à un système politique. En revanche, il se montre ouvert à des réunions des chefs d'État africains autour du président de la République française, mais, ajoute-t-il, sans le mot « communauté ». Le général, excédé par le comportement de Houphouët-Boigny, convoque alors l'héros-chef Yves Guéna à l'Élysée pour lui exprimer son vif mécontentement. Et De Gaulle d'exiger qu'il reparte sur le champ à Abidjan pour transmettre le message au leader ivoirien d'une manière, je cite Yves Guéna, qui rapportait le propos littéral de De Gaulle, d'une manière très rude. Quelques heures après, rapporte Yves Guéna, dans un entretien qu'il m'avait donné en 2010, j'ai reçu un appel téléphonique de Jacques Faucard. Il m'a dit « Je sais ce que le général vous a dit. Naturellement, on doit toujours obéir au général. Et dans ce cas-là, je vous le dis, si vous adoptiez l'attitude qu'on vous a demandée, ce serait un drame avec Houphouët qui ne pourrait pas l'accepter. Il m'a demandé d'atténuer mes propos. » Guéna, qui est en contact constant avec Faucard, sait qu'il voit le général tous les jours et qu'il faut en tenir compte, car il sait interpréter les pensées et surtout les coups de sang du général, et il s'agit bien de cela aujourd'hui. De retour dans la capitale ivoirienne, Yves Guéna s'est donc exprimé, je le cite, « d'une façon extrêmement mesurée » et l'affaire s'est évidemment finalement apaisée, rapidement dégonflée. La Côte d'Ivoire accède donc bien à l'indépendance en août 1960, dans l'amitié avec la France, même si les discussions en vue de la signature des accords de coopération n'aboutissent finalement que quelques mois plus tard, c'est-à-dire le 24 avril 1961. Et ce, je précise, sans aucune mention de la communauté contractuelle. Quant au président ivoirien, il n'en veut manifestement pas à Yves Guéna, qui est devenu, à la faveur de l'indépendance, ambassadeur de France auprès de la République de Côte d'Ivoire. Au contraire,
Il l'invite personnellement à assister à ses côtés aux fêtes du 5e anniversaire de l'indépendance en août 1966 et met à sa disposition un avion spécial pour venir le chercher en France. De manière générale, Yves Guéna est longtemps demeuré une personnalité reconnue de la famille franco-africaine. Outre une importante mission au Niger de négociation des prix de l'uranium en 1974, le contact avec l'Afrique n'a jamais vraiment été perdu, en particulier avec la Côte d'Ivoire, notamment via son fils Frédéric Guéna, qui a été en particulier le collaborateur de Jacques Foccart comme chargé de mission auprès de Jacques Foccart au cabinet du Premier ministre Jacques Chirac de 1986 à 1990. Alors cet épisode ivoirien et la fin de la communauté, Yves Guéna l'a analysé à chaud, de retour en France. Et c'est en 1962, quelques mois après son retour, qu'il commet un petit livre intitulé très modestement « Historique de la communauté », qui en réalité est bien une histoire de ce grand projet gaulien disparu, qui demeure aujourd'hui, et c'est une analyse d'historien de l'histoire franco-africaine, une source et un travail d'historien incontournable. Bien sûr, l'auteur historien Yves Guéna n'en reste pas moins un acteur, mû par une certaine vision gaulienne de la puissance française et des relations à maintenir avec le précaré africain de la France. Sa vision des rapports post-coloniaux s'inscrit pleinement dans une conception de la puissance qui relève de l'orthodoxie gaulienne. Elle implique un rang de la France qui soit une grande puissance, qui peut s'appuyer sur une zone d'influence qui lui soit propre. Cela implique de manière globale une grande politique en faveur du tiers-monde. Il est bon, explique Yves Guéna devant l'Académie des sciences d'Outre-mer en 1985, que l'assistance au tiers-monde suscite un mouvement de générosité comparable à celui qui nous porta naguère à vouloir civiliser ses peuples. L'aide et la coopération en sont la moderne traduction. Fin de citation. Mais tout comme le voulait le président Charles de Gaulle, cette politique de coopération devait d'abord s'inscrire, compte tenu de la modicité des moyens français, dans un cadre géographique restreint qui ne pouvait être que celui des solidarités héritées de la colonisation. En cela, Yves Guéna défendait une vision régionale et préférentielle, sous la forme essentiellement bilatérale, de l'aide au développement par opposition à une vision mondialiste et multilatérale de celle-ci. Yves Guéna appelait donc de ses voeux le maintien de liens forts entre la France et ses anciens territoires africains, hérités d'une décolonisation qu'il estimait particulièrement réussie. C'est ce qui vaut à la France, pour lui, d'être considérée par les autres puissances comme une puissance africaine. Toutefois, Guéna, dès 1985, en tout cas, puisque c'est son texte, son discours d'investiture, convenait, je cite, que ce magistère ne pourra durer toujours. À mesure que s'éloignent les premières années de l'indépendance, nos anciens administrés prennent leur distance par rapport à nous. Certains nous ont laissé, la Guinée la première, le Mali, Madagascar. Chez d'autres, notre influence s'estompe au fil des mutations de dirigeants, Mauritanie, Niger, Haute-Volta. Il ne faut pas rêver que nous pourrons, jusqu'à la fin des siècles, et pas même jusqu'à la fin du siècle, il s'agit donc du 20e, continuer de sauver un chef d'État menacé par son opposition, d'embourgeonner un autre, de rétablir l'ordre dans un foyer de trouble, même avec le consensus du pays concerné et de ses voisins. Et sans doute n'est-ce pas essentiel, ni même souhaitable. Notre présence ne devrait pas être liée ni à telle équipe, ni à telle régie, puisque, on le voit, il est dans la nature des choses que tout change. Les relations discriminatoires rendent notre influence tributaire des bouleversements politiques. Or, des liens distendus peuvent toujours se resserrer, à condition qu'on n'ait pas soi-même fermé les portes de l'avenir. Fin de citation. De ce point de vue, Yves Guéna est beaucoup plus proche des conceptions de Pierre Messmer, par exemple, son camarade de la France libre, relative à l'Afrique, la seule d'un Jacques Foccart qui continuait à la même période, jusqu'à son décès en 1997, auprès de Jacques Chirac, donc de prôner une politique
beaucoup plus marquée de défense vigilante des équipes dirigeantes africaines en place. Cette conception d'un rôle moins interventionniste de la France dans les affaires intérieures des États africains, de l'ancien précaré, il continue à la nourrir même après les grands bouleversements consécutifs à la fin de la guerre froide et donc aussi à la fin de la France-Afrique traditionnelle. Dans son ouvrage « Mémoire d'outre de Gaulle », Ibgena déplore l'évolution du continent africain, je cite, « ravagé par la misère et les affrontements ethniques de la Somalie à la Guinée ». Pour lui, la France ne doit pas demeurer inactive. La France, je cite, « peut et doit exister en Afrique ». Au cours d'un déjeuner au Sénat, au moment de l'intervention de Serval au Mali en janvier 2013, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, Pierre Geny, se souvient avoir demandé à Ibgena ce qu'il en pensait de cette intervention militaire française au Mali. Sa réponse, et je conclurai mon intervention par là, fut celle à la fois d'un vieux gaulliste et surtout d'un vieil Africain. Il répondit simplement « On ne pouvait pas ne pas y aller, mais on ne sait pas comment on s'en sortira. » Trois points de suspension. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric, parce que à travers effectivement cette communication, on a pu, me semble-t-il, essayer de nuancer ce que nous avions dit de façon un petit peu abrupte, et je reprends ton expression de colonisation assumée, avec toutefois une graduation dans la pensée d'Ibgena, qui semble avoir progressivement une moins bonne conscience face aux revendications nationales ou effectivement nationalistes. Merci également à travers cette étude de cas sur la Côte d'Ivoire, à un moment particulièrement charnière, de nous avoir montré finalement encore une des facettes de la personnalité d'Ibgena. C'est quand même un talent de diplomate absolument extraordinaire. Parce qu'il faut effectivement qu'il négocie non seulement avec Michel Debré et Jacques Foccart, ce qui n'est pas effectivement le plus simple, et puis également avec le futur président Houphouët Boigny. Donc on voit très bien que là, cet épisode ivoirien montre des talents de diplomate et d'adaptation ou d'adaptabilité d'Ibgena à cette situation. Et je rejoindrai finalement ta conclusion, il me semble être relativement proche de son vieux compagnon Pierre Messmer, dans effectivement tout ce que tu as pu nous présenter. Et dernière chose, il a su passer finalement sur cette politique de la France, de la politique de puissance, à une volonté d'influence, me semble-t-il, qu'il cherche pour son pays. Donc, merci beaucoup. Eh bien, ce sera la dernière communication, avant les conclusions, naturellement, de ce colloque. J'ai le plaisir de passer la parole à Michel Figeac, qui est, inutile de le présenter peut-être ici, un professeur d'histoire moderne à l'Université Bordeaux-Montaigne et qui va s'intéresser à ce que nous avons vu de façon un petit peu impressionniste tout au long finalement de ce colloque, c'est-à-dire l'amour d'Ibgena pour les lettres, pour certaines périodes historiques. Également, nous l'avons vu ce matin pour la poésie, et je crois que Michel Figeac en a été un témoin tout à fait particulier. Donc, pour la dernière communication, mais pas la moins importante, pour une durée d'une demi-heure, comme tout le monde, cher Michel Figeac, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je voudrais également remercier Bernard Lachaise qui me donne l'occasion donc de vous présenter ici la collaboration que j'ai pu avoir avec Ibgena. Je crois que c'est un éclairage intéressant qui nous permettra de voir des aspects dont on a moins parlé. C'est pour cela que je vais parler aussi de cette collaboration autant certainement que de Ibgena écrivain, Ibgena historien. Une carte de la généralité de Guyenne, le vif portrait de la cité de Bordeaux, reproduction d'une gravure sur bois de 1564, ainsi qu'un troisième plan, trône aujourd'hui dans mon bureau et je ne saurais poser le regard dessus sans que le visage d'Ibgena, ce visage que l'on n'oublie jamais, ne se présente à ma mémoire. Après avoir écrit, en effet, sa saga sur les devins d'elle,
l'ancien ministre du général de Gaulle m'avait offert ces trois gravures avec ce commentaire. L'autre jour, en cheminant sur les quais de Seine, j'ai pensé à vous en voyant ces gravures. Le ton était naturel, le geste discret, accompli comme si de rien n'était. Yves Guéna faisait allusion à nos nombreuses conversations où il avait découvert ma passion pour ma ville natale et lui, qui avait tant de préoccupations, n'avait pas laissé passer l'occasion de révéler cette humanité qu'il masquait sous une froideur apparente, mais qui n'était qu'une pudeur naturelle. Certes, les hommes politiques sont nombreux à caresser la plume, ou plutôt à jouer avec le clavier de l'ordinateur, car il faut bien le reconnaître, ils ont assez bonne presse auprès des éditeurs qui voient dans la publication de leurs ouvrages une bonne affaire éditoriale. On a tous en tête une biographie d'un personnage célèbre, d'Henri IV à Georges Mandel, mais c'est la plupart du temps, pour essayer de chercher dans l'écriture une célébrité, ce n'est certainement pas avec Yves Guéna la motivation. Les motivations ne sont certainement pas celles-là et on s'en rend compte quand on regarde les dates de parution de ces ouvrages majeurs. Si l'on fait abstraction des premiers livres politiques, voire de Catilina, l'essentiel de son activité littéraire s'est déroulé alors qu'il était totalement installé dans les institutions comme vice-président du Sénat, puis comme président du Conseil constitutionnel dans les années 1990-2000. Ils correspondent incontestablement à une période où l'ancien ministre du général de Gaulle avait pris de la hauteur dans le domaine des fonctions publiques. Son intérêt pour le champ historique doit-il pour autant le faire considérer comme un historien ? Il est vrai que le baron Louis, et j'en reparlerai, eut l'honneur d'une recension dans la revue 18e siècle sous la plume de l'historien spécialiste des Girondins Marcel d'Origny. D'Origny écrit « La qualité de l'écriture et surtout de l'information historique feront apprécier ce travail, de même que l'absence de jugement de valeur péremptoire sur les supposés reniements de Louis qui s'est rallié à tous les régimes. Cette appréciation flatteuse vaut-elle adoubement dans la corporation des historiens ? Nous limiterons notre propos aux œuvres spécifiquement historiques ou littéraires et après avoir précisé comment nous avons fait notre travail avec Yves Guéna, nous essaierons de comprendre ses intentions dans le choix des sujets et dans sa conception de l'histoire. Donc, dans un premier temps, la rencontre entre le gaulliste historique et le modeste historien moderniste que je suis, une rencontre fortuite et une estime mutuelle. Les conditions de la rencontre, c'est très précisément à la fin de 1995, Anne-Marie Cocula m'avait présenté à Yves Guéna alors que je participais aux rencontres qui se tenaient autour du château en Périgord. Le vice-président du Sénat cherchait alors un historien spécialiste de la Révolution et de la noblesse pour relire son ouvrage sur le général Biron que j'ai ici. Comme j'allais soutenir ma thèse quelques semaines plus tard, au cœur de cette problématique, cette expérience nouvelle m'avait intrigué avant de me captiver. Yves Guéna, qui n'était certes pas homme à perdre ses idées en route, m'avait ensuite contacté, il avait repris contact pour me donner rendez-vous au Sénat. C'est un peu fasciné que je visitais le palais de Marie de Médicis sous sa conduite. Venu m'accueillir en personne, il commença par monter les escaliers deux marches par deux marches, à la course, malgré ses 74 ans, qu'on ne lui aurait certes pas donné. Nous nous attardâmes assez longuement dans la fascinante bibliothèque et mon guide me confia qu'elle avait été le rouage essentiel pour réunir la documentation. Après une réunion de travail pour me présenter le projet, un excellent repas concocté par le cuisinier du Sénat acheva cette première rencontre. En réalité, j'allais ensuite avoir l'occasion de faire la connaissance de la table du Conseil constitutionnel, ce qui, dans le cadre du Palais Royal, même avec la vue des colonnes de Buren, reste quand même un moment de pur esthétisme. Je voudrais préalablement témoigner qu'Yves Guéna savait vivre. Et quand il estimait, sans doute à tort, de voir quelque chose à quelqu'un, il savait reconnaître le travail accompli. Même les interviews que j'ai pu réaliser à Bordeaux dans les salons de la librairie Mola
se sont prolongés chez Jean Ramé, chez Xeradakis à la Toupina, dans la plus cordiale convivialité, à confronter les mérites de deux années de Smith au Lafitte, les mérites de plusieurs Médocs. Yves Guénat, c'était l'art raffiné de l'after. Il savait briser la glace au bon moment, mettre à l'aise en cassant l'image de froideur dont on l'avait à tort affublé, et réunir des convives qui s'accorderaient à merveille. Je ne voudrais cependant pas donner l'impression que mon travail auprès d'Yves Guénat s'est résumé à quelques joyeuses agapes, et cela même si le président du Conseil constitutionnel adorait entendre parler d'histoire à ces moments-là. Quelle fut notre méthode de travail ? Lors de notre première rencontre au Sénat, Yves Guénat me présenta une volumineuse liasse, car en réalité, le travail était déjà fait. Il ne s'agissait certes pas de rédiger la moindre ligne. Mon interlocuteur n'était pas de ceux qui demandaient qu'on leur prête une plume, car d'évidence, il était doté d'un véritable talent d'écriture et il se faisait une fierté de montrer les volumineuses épreuves. Il attendait de moi une relecture très attentive, sur la forme bien évidemment, mais elle resta limitée, car il maîtrisait parfaitement l'art de la syntaxe et de l'orthographe, mais aussi sur le fond, car il voulait s'assurer de ne pas avoir commis d'anachronisme. Il était obsédé par l'anachronisme. Je me souviens très bien que nous eûmes une discussion poussée sur l'insertion de la forme dialoguée sur Biron. Personnellement, cet usage assez systématique me heurtait, car on quittait la réalité historique, la forme biographique pour autre chose. Mais le président Guénat ne faiblit pas, comme cela est spécifié par l'éditeur. Il avait écrit un roman historique pour lequel il avait recomposé des dialogues, mais certes pas un livre d'histoire. Pour lui, l'histoire était indispensable au sens où elle lui permettait de comprendre une époque, car il avait la hantise de l'anachronisme, comme je le disais tout à l'heure, mais il était aussi convaincu que la forme romanesque était beaucoup plus susceptible de faire naître l'intérêt du lecteur. Il écrit d'ailleurs, dans l'avant-propos de Biron, « Habiller et étoffer textes et pièces d'archives, c'est moins, selon moi, les travestir que les rehausser en couleur et les rendre plus vivants. » À partir de là, mes interventions furent cadrées et relativement limitées. Il s'agissait de vérifier, mais certes pas d'opérer de profonds remaniements. Dans Catilina, écrit 13 ans plus tôt, la méthode avait été strictement identique, puisqu'il s'était adressé à Daniel Noni, maître de conférence à la Sorbonne, dont il précise le rôle dans la postface. Tout d'abord, mes remerciements vont à Daniel Noni, qui m'a aidé avec tant d'intelligence à découvrir l'histoire de la civilisation de Rome à la fin de la République, qui a bien voulu aussi relire le manuscrit de Catilina et m'éviter les erreurs d'une science neuve. L'histoire est pour lui une toile de fond qui habille le récit. Elle lui donne sa couleur d'authenticité et l'auteur ne saurait en faire abstraction. Ceci étant, il confirme avec une certaine véhémence qu'il a écrit un roman. L'avant-propos de Catilina est à ce sujet un véritable discours de la méthode qui ne variera plus, sauf peut-être, j'en reparlerai, pour le baron Louis. Il écrit « Le lecteur doit savoir que je n'ai pas travesti l'histoire. J'ai suivi scrupuleusement Salluste, Cicéron et Carcopino. Pour la chronologie, je m'en suis tenu à quelques détails près à celle établie par ce dernier, Carcopino. En cas de leçon différente, j'ai opté pour ce qui me passerait comme le plus cohérent. Cet ouvrage est un roman en ce que j'ai donné mon propre éclairage au personnage de Catilina, non par le résultat de recherche originale, mais par intuition. Tout est dit ici ou pratiquement. Il s'appuie certes sur des documents, comme les mémorialistes, ou sur les historiens romains, ainsi que sur les discours de Cicéron. Toutefois, lorsqu'un document d'époque fait défaut, Yves Guénat ne s'embarrasse pas. Il laisse libre cours à son imagination pour combler les blancs en veillant à ne pas dénaturer la trame historique. Il fait du roman historique. Comme écrivain, il refusait tout carcan contraignant, l'important étant de rester fidèle à l'esprit d'une époque, et pour cela, il insiste beaucoup sur la nécessité d'une bonne bibliographie qui irait à l'essentiel, car il était aussi, dans ses méthodes d'écriture, un homme pressé
et efficace. Et il avait demandé à Daniel Nonni de lui fournir une sélection de livres, comme il me l'avait demandé à moi également, de sélectionner les livres. À côté de mes relectures formelles, Yves Guéna conservait néanmoins un certain nombre de questions pour lesquelles il s'adressait aux spécialistes. Il me revient à nos discussions sur l'attitude de la noblesse sous la Révolution. Comment expliquer qu'une partie du second ordre pût entrer dans la Révolution et s'enthousiasmer pour les idées nouvelles qui détruisaient l'ordre ancien, ce qui était quelque part la démarche de Biron, même si celui-ci était militaire et continuait à servir sa patrie. Là, j'ai véritablement servi à quelque chose en lui expliquant cela, et ça l'avait beaucoup intéressé, comment des civils comme Le Pelletier de Saint-Fargeau, comme Condorcet, sous la Révolution, allèrent très loin. C'était quelque chose qu'il désirait comprendre. Pour les autres livres de cette période, mon travail fut plus réduit et se limita pour l'essentiel à des relectures, à des corrections, encore une fois, de très rares erreurs. Tel fut le cas pour Le Baron Louis, pour Les Devins d'Elle, Les Devins d'Elle, trois siècles d'histoire. Il en fut de même, mais j'ai aussi beaucoup d'entretiens autour de la thématique de la noblesse d'affaires quand nous avons travaillé sur Les Devins d'Elle. Avec Ignace Devins d'Elle, Yves Guéna retrouvait d'ailleurs, comme avec Biron, la figure du noble progressiste épris des Lumières, ce qui nous amène à nous interroger un peu sur la nature des sujets qui avaient retenu son attention. Quel sujet choisissait-il ? Alors, incontestablement, il était porté vers la littérature. Tout au long de nos conversations, nous avons beaucoup parlé littérature. J'avais pu voir apparaître des constantes dans les sujets qui retenaient son attention jusqu'à leur consacrer plusieurs mois d'écriture. Son attrait pour l'histoire était à partager avec celui porté au théâtre et à la poésie, nous l'avons dit. N'oublions pas qu'à l'origine, avant que l'appel du 18 juin ne vienne interrompre son cursus, il avait obtenu le baccalauréat en 1939 avant d'être admis en Hippocagne à Rennes. Au milieu de ses romans, à toile de fond historique, il avait aussi rédigé un Phèdre 2000 qui en étonna plus d'un, comme si, en respirant l'air de la comédie française toute proche, le président du Conseil constitutionnel s'était pris à rêver aux Alexandrins de Racine. Parmi ses pièces, il avoue dans les mémoires d'Outre-Gaulle que celle qui le touchait le plus était incontestablement Phèdre pour la passion inavouable qui déchirait son héroïne. Il avait modernisé la pièce en imaginant un grand industriel remarié avec une jeune femme. Il ne partait plus à la guerre comme Thésée, mais dans un tour du monde à la voile pour faire la promotion de sa firme. Pendant ce temps, il laissait la gestion de son entreprise à son jeune fils, issu d'un premier mariage. Durant son périple, loin de l'héroïsme de la première Phèdre, sa jeune épouse succombait au charme de son beau-fils. À l'exception d'Hippolyte qui subsiste aujourd'hui, tous les autres prénoms avaient été modernisés puisque Phèdre était devenue Pauline. L'auteur avait renoncé aux Alexandrins et même à la versification, et le coryphée qui annonce les infections tragiques était un modeste pilier de comptoir en train de siroter son pastis. Lucide, Yves Guéna traçait un constat moral sur notre société à travers les dédales et la complexité des sentiments humains. Passion avouée ou non, échange, incompréhension ou duplicité tissent ici le fil de ces personnages qui, obstinés à réaliser leur destin, croisent les grands mythes de la tragédie antique ou classique dans ce qu'il a baptisé un divertissement tragique. La pièce vint rapidement sur les planches au Théâtre Mouffetard avec une mise en scène d'un ancien de la comédie française, Philippe Rondeste. Dans ses mémoires, Yves Guéna ne cache pas la complexité de l'opération et surtout son plaisir à approcher les acteurs et sa délectation dont il trouvait le temps de s'échapper du Conseil constitutionnel pour venir assister aux représentations. Il ne peut cependant éviter de s'étonner quand il constate que certaines répliques déclenchaient l'hilarité des spectateurs au sens positif du terme. Cela pose un problème de fond. Une Phèdre qui aurait perdu ses Alexandrins, ce qui est le cas là, n'était-ce pas une pièce qui était passée en réalité du genre tragique au théâtre de boulevard ? Ses archives privées révèlent qu'il s'était aussi penché sur Andromaque, mais sans beaucoup de succès.
En réalité, il nous semble qu'Evgenia s'est essayé au théâtre, car c'est un monde qui le fascinait en tant que spectateur de l'autre côté du miroir et approcher des acteurs au moment des répétitions, il m'en avait parlé, fut une incontestable source de plaisir. Pourtant, on devine une réelle difficulté à rentrer dans l'écriture théâtrale en elle-même. Je reviens donc maintenant à l'histoire. L'histoire lui fournit une trame narrative. L'histoire lui permet de ressusciter des destinées. Il y avait chez Evgenia le sentiment profond d'avoir été, aux côtés du général de Gaulle, un acteur de la grande histoire, ce qui le guidait dans le choix de ses sujets, vers des personnages qui l'inspiraient pour leur investissement au service de la chose publique. C'est en 1984 qu'il se lance dans le roman historique avec Catilina. Le livre, qui porte comme sous-titre « La gloire dérobée », centre le propos sur la dernière phase de la vie du héros. Déçu par un double échec au consulat, Catilina organise secrètement une conjuration qui vise à éliminer une partie de l'élite politique romaine et à s'emparer du pouvoir politique en exploitant les frustrations d'une partie de la nobilitas romaine et de certains notables. Le conspirateur voit ses visées contrecarrées par la détermination du consul Cicéron, dont le mandat touche à sa fin au moment des faits. En bon orateur, il dénonce Catilina, puis conduit la contre-offensive militaire qui met finalement la conjuration en déroute. Catilina meurt au combat au début de 62, tandis que Cicéron, salué du titre de pater patriae, connaît d'abord la gloire pour avoir sauvé la République, avant que cette même affaire le contraigne à l'exil 4 ans plus tard. Parfait connaisseur de Salluste, Evgenia nous explique dans ses mémoires d'outre-Gaule qu'il lui avait semblé que Catilina méritait mieux que sa réputation d'agitateur sans scrupules et d'ambitieux forcené. Tout en se défendant de vouloir suppléer les historiens et de se lancer dans une réhabilitation, il relisait la vie de son héros avec sa connaissance du jeu politique. Et il mit en évidence la volonté de Cicéron de se prêter à toutes les manœuvres pour l'empêcher de parvenir au pouvoir. Le livre devait avoir le privilège d'un long article dans les pages littéraires du Monde et il a été ensuite salué par un certain nombre d'universitaires spécialistes de la période. Dans un troisième temps, je voudrais revenir à la conception de l'histoire d'Evgenia. Et pour cela, je voudrais utiliser l'histoire de France revisitée et racontée à ses petits-enfants, qui est ce grand album qui est extrêmement bien décoré par des dessins qui accompagnent extrêmement bien le texte. Parmi les nombreux livres d'Evgenia, celui-ci dénote un petit peu l'histoire de France racontée à ses petits-enfants. C'est un ouvrage qui est chargé de sens, tout d'abord au niveau affectif, car le président du Conseil constitutionnel, qui avait 8 enfants, 22 petits-enfants et je crois 2 arrière-petits-enfants au moment où il écrit ce livre, autant dire une classe entière, il pose la plume pour s'intéresser à ce thème. Les initiés à l'histoire de France était un de ses vœux très forts. On a 2 volumes qui, dans un texte limpide, font se succéder les grandes étapes de l'histoire nationale. L'auteur axe son récit sur les grandes étapes de l'histoire de France avec une nette prédilection pour les grands événements militaires qui n'étonnent pas puisque les volumes ont été placés sous l'égide de la phrase de Charles de Gaulle « La France fut faite à coups d'épée ». Il l'organise autour des grands personnages et des grandes batailles, ce qui donne des points d'ancrage et fluidifie le récit. On a l'impression d'être devant ces vieux manuels d'histoire du primaire que j'ai moi-même connus, et avec sur lesquels d'ailleurs j'ai un certain regret, et qui offraient à l'imaginaire du jeune enfant bien des rêves. Bref, un roman national, mais un roman national au sens le plus noble du terme, qui présente l'énorme avantage de la cohérence chronologique. La césure proposée était assez logiquement placée en 1789. Il écrit notamment « En cette fin du XVIIIe siècle, les esprits ont beaucoup évolué, le principe du pouvoir absolu est remis en cause, de même que le caractère presque divin de la monarchie.
Les temps étaient venus de s'engager dans la voie de réformes profondes. Louis XVI et ceux qui l'entourent ne le comprendront pas et n'épouseront pas leur époque. En 1789 s'ouvre une autre période de notre histoire, mais c'est toujours l'histoire de France. On voit très clairement qu'il n'y a aucune rupture entre l'avant et l'après-révolution, mais une continuité. Contrairement à beaucoup d'hommes politiques actuels, toutes tendances confondues, qui rejettent un ancien régime synonyme pour eux d'archaïsme selon un modèle parisien qui fut très à la mode chez les normaliens, Yves Guénat intègre l'apport de la monarchie dans la construction de la nation. Il commence à Vercingétorix pour aller jusqu'à Charles de Gaulle avec là encore une idée très précise sur le point d'arrêt et ce faisant sur l'histoire la plus contemporaine. Nous en avions souvent parlé ensemble. Yves Guénat cultivait un certain scepticisme et une certaine défiance à l'égard de l'histoire immédiate. Bon, on aimait bien en parler. Comme le livre n'était pas destiné au grand public, il ne fut pas relu par un historien et je dois dire que malgré tout, il y a très très peu de choses avec lesquelles on ne peut pas être d'accord. Peut-être l'interprétation de la révocation de l'édit de Nantes, avec laquelle j'aurai des choses à dire, peu importe, je le garderai pour la version écrite. Peut-être aussi son évocation de l'édit de Ségur en 1781. Si j'avais relu le texte, bon, je lui en aurais parlé, mais voilà, ce sont vraiment des détails. Et Yves Guénat n'avait pas besoin de connaître toutes ces affaires de spécialistes pour un livre à destination des enfants. Pourquoi, quand il écrit Le Baron Louis, jusqu'au Baron Louis, Yves Guénat s'est toujours défendu de faire œuvre d'historien dans sa production littéraire, y compris dans Catilina. Pourtant, dans ce dernier livre, qui obtiendra un prix de l'Académie française, il franchit le pas, comme le confirme la dédicace qu'il me destina. Il écrit, je cite la dédicace, « Le Baron Louis, pour moi, une aventure, passer de l'histoire romancée à la biographie. Qu'est-ce qui put motiver cette nouvelle étape? En réalité, tout le monde sait que Madame Guénat, je crois que c'est important de l'associer dans ce colloque, épousée le 23 juillet 1945, était née Oriane de la Bourdonnais-Blossac, puisqu'elle était la fille du comte Alphonse de la Bourdonnais-Blossac et d'Élisabeth de la Panouse, qui descendait de François-Régis de la Bourdonnais, famille d'origine bretonne, dont la noblesse remontait à 1427. Son ancêtre était l'un des chefs ultras durant la Restauration. Il fut brièvement ministre français de l'Intérieur sous Charles X. Elle était, par ailleurs, l'arrière-petite-nièce du baron Louis, par les Rigny et les Chantérac. Cela lui permit de disposer d'archives familiales qui fournirent le début des sources et il avait le sentiment justifié de faire fructifier un patrimoine familial. Le caractère austère, baron Louis, de ce personnage, les aspects techniques du sujet ne parvinrent pas à le rebuter, car bien au contraire, il était attiré, on l'a déjà dit à d'autres moments, par son goût de la rigueur. Après le désastre de l'Empire, son mérite ne fut pas mince de mettre en place une politique drastique d'économie en prenant la résolution d'honorer toutes les dettes des précédents régimes. Il ranima ainsi le crédit de l'État français et lui permit de trouver à emprunter les sommes nécessaires à sa libération. Pour Yves Guénat, la confiance était la clé de tout ministre des Finances et il avait une véritable admiration pour l'œuvre de son personnage. Il semblait fasciné par ces hommes intègres, par ces serviteurs de l'État, tout en rigueur, qui semblaient entièrement dévoués au bien public, ce qui rejoignait sa conception de l'homme politique. Voilà ce qu'il écrit sur le baron Louis. On croit un petit peu entendre parler d'Yves Guénat. Ainsi est-il entré dans l'histoire avec la réputation confirmée par ses collègues, par ses collaborateurs, par sa famille, d'un homme rigoureux mais juste, travailleur acharné, attaché au bien public, jusqu'à la véhémence, animé par la passion de son pays, qu'il soit riche et ouvert aux Lumières, et dont il voulait qu'il fût gouverné selon les règles admises par les nouvelles élites de son temps. Le livre sur les devins d'elle s'inscrit exactement dans la même perspective, puisque Ernest-Antoine Sellière, qui avait eu vent de ses talents d'écrivain, lui avait demandé s'il pourrait, dans la perspective des manifestations du bicentenaire, consacrer un livre à l'histoire de la famille.
En effet, son épouse était une arrière-petite-fille de Vindel. Il brosse l'aventure d'une famille de capitaines d'industrie durant 3 siècles, tout en évitant le piège de l'histoire économique pour laquelle il avouait n'avoir aucune compétence. Il est un autre ouvrage qui s'affiche ouvertement comme un roman, ne serait-ce qu'au travers de sa forme dialoguée, je l'ai dit, c'est Le Duc de Lauzun, pour lequel nous avions travaillé ensemble. Yves Guéna, comme il le révèle d'ailleurs dans ses mémoires, avait choisi, et l'anecdote est assez intéressante, d'adresser un exemplaire aux descendants du lignage, le descendant du maréchal duc de Biron. Le maréchal duc de Biron, il m'a paru convenable, Yves Guéna écrit ceci dans les mémoires d'Outre-Gaule, il m'a paru convenable d'adresser un exemplaire de l'ouvrage à l'actuel chef de nom et arme des Birons. J'ai reçu une réponse un peu distante de mon correspondant qui me disait que son ancêtre, malgré ses erreurs, méritait considération du fait de son courage devant la mort. Quand le descendant parle des erreurs, il veut parler de l'engagement dans la Révolution. Il ne s'agissait certes pas de rejuger l'infortuné Biron, et le terme d'erreur est ici totalement inapproprié de la part du descendant, mais on a ici toute la différence entre celui qui avait compris la complexité de la noblesse face à la Révolution, Yves Guéna, et celui qui n'y avait rien compris, car l'historien n'a pas à être un juge du passé. Quand on regarde, au bout du compte, la pile des livres d'Yves Guéna, et je n'en ai que 3 sous la main, sans compter ses ouvrages politiques et ses discours, une question devient lancinante. Mais comment faisait-il pour trouver le temps nécessaire? Nous avions souvent abordé la question avec lui et il assénait à chaque fois un axiome. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je ne suis pas éloigné de le penser, mais qu'est-ce qui faisait donc courir la plume sur le papier? Le délassement offert par l'écriture, le plaisir du texte, sans aucun doute. Il intitule d'ailleurs le chapitre 8 du second tome de ses mémoires « Durant les hauts et les bas, le bonheur de l'écriture ». Tous ceux qui savent écrire connaissent cette jouissance intérieure de l'écriture. Mais encore, le regretté président Tavernier, très proche d'Yves Guéna, avec lequel nous avions partagé des agapes, en particulier à la Toupina, me confiait qu'il avait eu la secrète ambition d'entrer à l'Académie française. Rien en l'état ne me permet, à mon titre personnel, de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse qui a beaucoup couru à l'époque, mais on sait bien que la rumeur est souvent projection d'autrui qui se démultiplie toujours. Toujours est-il qu'après la lecture de l'ensemble de son œuvre, on est en mesure de dire qu'il aurait eu sa place à l'Académie, certainement tout autant ou bien plus que certains hommes politiques du XIXe et du XXe siècle. Au bout du chemin, il me revient 2 anecdotes qui, pour moi, disent beaucoup sur l'homme et sur son humanité au-delà de l'homme public. En avril 1999, mon épouse avait soutenu sa thèse en Sorbonne sur la famille de l'Ursalus d'Ikem et nous avions envoyé par pure politesse une invitation. Quelle ne fut pas notre surprise, et celle du directeur de thèse d'ailleurs, le président de la Sorbonne, Jean-Pierre Poussou, d'apprendre au moment du cocktail, par des appariteurs, que le président du Conseil constitutionnel était annoncé. Nous le connaissions depuis 3 ans et il était venu saluer l'impétrante car il savait que c'était un événement important. Urbain, fidèle en amitié, sincère et reconnaissant, tel était Yves Guéna. C'est pour moi d'ailleurs que cette communication est particulièrement importante. Une autre anecdote sera l'une de nos dernières rencontres qui eut lieu à Chantérac, la propriété familiale de son épouse, à laquelle il était viscéralement attaché, au point de lui consacrer l'un de ses premiers ouvrages. Lors d'un déjeuner mémorable autour de quelques amis, il nous fit servir entre autres mets succulents, des riz de veau, en déclarant qu'il adorait cela et qu'en période de vache folle, il n'avait jamais cessé d'en manger, car à son âge, il n'avait plus rien à craindre. Cette attitude est à méditer par des temps de Covid que nous traversons. En tout cas, ces petits faits résument une personnalité et on aura compris que grâce à l'écriture, notre rencontre fut avant tout une aventure humaine, un moment enrichissant pour moi et un très beau souvenir.
Merci beaucoup de cette communication où vous avez mêlé finalement les talents de l'historien, mais aussi un ton affectif. Et on voit bien l'affection que vous portiez et qui était probablement une estime mutuelle, comme vous l'avez dit, entre vous deux. Alors peut-être également une dernière remarque. Les sujets choisis par Yves Guéna était, me semble-t-il, un peu en adéquation avec ses traits de caractère. Et il me semble qu'il n'y a pas, il y avait aucun hasard dans le choix des sujets, mais qu'il y avait toujours cette adéquation, hein, effectivement, avec ce qu'il était et avec sa conception de l'histoire, que vous avez parfaitement tout à fait relaté. Et vous n'avez pas du tout joué, parce que finalement, c'est très courant, le rôle d'une plume, parce que beaucoup ont des plumes, mais vous avez vraiment, si j'ai bien compris, façonné et entrepris un véritable dialogue intellectuel et scientifique. Voilà, eh bien, il me reste maintenant à me tourner vers Bernard Lachaise pour savoir ce que nous laissons place à la discussion, me semble-t-il, hein. Et puis, nous avons ensuite un petit moment de pause. Voilà, donc pour les questions que vous souhaitez poser, soit effectivement à nos deux intervenants qui sont ici, soit peut-être encore à Frédéric Turpin. Je ne sais pas s'il est toujours connecté et en ligne. Donc, vous avez la parole, soit voilà, pour nos deux intervenants. Je voudrais me permettre de préciser Michel Testu. J'ai longtemps côtoyé Yves Guéna, et c'est vrai qu'il m'avait fait part à plusieurs reprises, de façon très, très intime, de son désir d'être académicien français. Ceci ne s'est pas fait pour des raisons que j'ignore, mais effectivement, c'était quelque chose qui lui aurait fait, je crois, beaucoup de plaisir. Oui, ça va dans le sens de... J'ai été très prudent, hein, mais bon. À Chantérac. Oui. D'autres questions sur le monde arabe, l'Afrique, la communauté et surtout la dernière communication, ou en dernier en tout cas, sur l'écriture d'Yves Guéna, ses ouvrages que vous avez peut-être lus ou pas lus, mais que vous êtes invité à lire. Je pense qu'ils sont encore édités pour un certain nombre, pour les plus récents au moins. On a trois de vers lui, c'est ça ? Il y en a un qui est à Bernard, lui. D'ailleurs, c'est l'histoire de... Dominique Sorin. Juste une question très très simple. Quels étaient ses goûts littéraires ? On a beaucoup parlé de ses écrits. Mais que lisait Yves Guéna ? Certains ont cité Aragon, je ne pense pas que ce soit sa lecture unique en la matière. C'était la seule citation. Voilà. Que lisait-il ? Livres d'histoire, littérature, quels étaient ses centres d'intérêt ? Quelle était sa bibliothèque ? La bibliothèque, je ne l'ai jamais vue. J'ai beaucoup parlé du théâtre classique parce que c'était l'époque où il a écrit son Phèdre, là, en 2000. Mais moi, je l'ai connu entre 1995 et 2005-2006. Je ne me souviens plus trop du terme. Mais bon, voilà. On a beaucoup parlé théâtre à l'époque. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Soit l'Afrique, soit la bibliothèque. Non ? Non ? La Monnaie française, il l'a inventé. Madame Labatte. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour ce que vous nous avez exposé, qui a enrichi beaucoup nos connaissances, même si nous avons une connaissance approfondie d'Yves Guéna. Mais je voudrais souligner là tout le plaisir qu'il avait à réciter des vers, à déclamer des poésies. Et combien de fois il nous a charmés les uns et les autres par ses talents. Il lui est même arrivé, comme l'a souligné ce matin quelqu'un, de faire des discours en vers. Alors, la pensée d'Yves Guéna, que vous avez si bien exposée, nous touche beaucoup. On se retrouve complètement dans l'idole qu'il était pour nous.
Et personnellement, je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué ce sujet littéraire qui était un aspect secret de sa personnalité, mais qui n'était pas celui qui avait le moins de valeur, bien sûr. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions, témoignages ? Je vais faire la pause. Très bien, alors nous allons prendre quelques minutes de pause. Merci de nous retrouver pour les conclusions.
Bon, mesdames, messieurs, avant que tout le monde ne parte, ma présidente est partie parce qu'elle prend un train pour Paris, et comme beaucoup de collègues, donc elle et il vous prient de les excuser. Ce que je vais faire maintenant, qui était prévu, mais qui va être très court, je vous rassure, ce ne sont pas de vraies conclusions. Les conclusions, elles apparaîtront dans l'ouvrage, par écrit, dans l'ouvrage que nous allons publier. J'en profite donc pour la confirmer, cette publication, en 2023, donc dans un an à peu près. Ce sont les éditions Kern qui publieront cet ouvrage avec le partenariat de la Fondation Charles de Gaulle et de l'Institut Georges Pompidou. Et les auteurs présents, ceux qui sont encore présents, devront remettre leur texte écrit avant le 1er février, 35 000 signes, nous serons très vigilants là-dessus, et ensuite donc, l'ouvrage paraîtra. Donc vous pourrez avoir plus de détails encore que vous en avez eu, puisque vous avez bien vu que pour chacun, 30 minutes évidemment, et surtout sur certains sujets, c'était un petit peu difficile. Non, je voudrais juste poser la question qui était annoncée de la mémoire d'Yves Guéna aujourd'hui. Alors sur la mémoire à l'échelle nationale, c'est assez difficile de se prononcer. Il aurait sans doute fallu faire un sondage, une enquête, quelque chose de très poussé, mais aussi un peu scientifique, pour savoir à Paris et au-delà de Paris ce qui restait de l'œuvre et de la vie d'Yves Guéna. Alors donc, je vais plutôt m'attacher à la mémoire locale, donc à Périgueux et en Dordogne. Alors, comment apprécier une mémoire d'un homme politique, Yves Guéna en particulier ici? Il y a plusieurs vecteurs qui permettent d'ancrer un personnage dans la mémoire. La pierre, le papier, les sondages d'opinion, les enquêtes d'opinion, par exemple. La pierre, Yves Guéna a souhaité lui-même, lorsqu'il a quitté la mairie de Périgueux, il a refusé le titre de maire honoraire, mais vous le savez, en tout cas les Périgourdins le savent, il a fait part de son accord que si un jour la mairie, la ville voulait donner son nom à un lieu de Périgueux, il en serait tout à fait ravi. C'est ce qui s'est fait en 2003 avec la place Yves Guéna, inaugurée donc en sa présence. Et je crois que ça a été pour lui une grande satisfaction, puisqu'il a eu ce jour-là encore des mots extrêmement élogieux pour Périgueux. Et à propos de ce lien entre lui et Périgueux, et de ce que nous avons vu un peu dans ce colloque et dans ce que nous avons entendu, je serais tenté de reprendre le titre du célèbre film d'Ettore Scola, « Nous nous sommes tant aimés ». Je pense qu'Yves Guéna a beaucoup aimé Périgueux, et je pense que les Périgourdins ont beaucoup aimé Yves Guéna. Il y a sans doute, mais là, il faudrait faire une enquête plus poussée, le nom d'Yves Guéna dans la pierre, sur les murs, dans d'autres endroits de Dordogne. À Neuvic, j'en suis certain, mais il faudrait faire une enquête un peu systématique. Il y a peut-être d'autres lieux où la trace d'Yves Guéna est encore présente dans les noms de voies. C'est un sujet que les historiens, depuis fort longtemps, depuis Pierre Nora, les lieux de mémoire, a étudié. Donc, on a fait une étude très savante sur les voies de Gaulle. On pourrait faire une étude savante sur les voies Guéna, en Dordogne au moins. Mémoire dans le papier, j'ai évoqué les deux biographies qui existaient jusque-là, celle de Jacques Lagrange, qui était un historien, journaliste, historien périgourdin, qui avait participé à la municipalité d'Yves Guéna pendant plusieurs mandats, qui est le premier donc, à avoir écrit cet ouvrage en 1994, puis Guy Penaud, un peu plus récemment, donc au début des années 2010. Donc ce sont les deux biographies qui existaient et qui ont permis à ceux qui voulaient à l'époque avoir finalement une vie d'Yves Guéna, de l'avoir dans leur bibliothèque et de pouvoir la consulter. J'espère que dorénavant, à partir de l'automne prochain, ils auront les actes de ce colloque qui constitueront une autre pierre à la mémoire, papier au moins, mais historique, d'Yves Guéna. Et puis, il faudrait sans doute faire des sondages, on ne l'a pas fait, d'opinion, des enquêtes pour voir quelle image reste d'Yves Guéna à Périgueux. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas mené de manière scientifique, bien que périgourdin, bien que circulant assez souvent dans les rues de Périgueux, je ne suis pas arrêté systématiquement pour dire alors que représente Yves Guéna pour vous. J'ai pu faire le test quand même
et que ce n'est pas une surprise, qu'évidemment, il y a un effet générationnel. Les moins de 25 ans ou les moins de 30 ans, c'est un peu difficile hein, pour eux de dire exactement qui est Yves Guéna. Ils le connaissent mal et souvent, ils ont exprimé l'idée, oh, tiens, oui, c'est une bonne idée de faire un colloque parce qu'au moins, on apprendra un petit peu plus sur cette personnalité. Je voudrais juste donner deux exemples. L'un qui nous a été confié avec Michel Combet lors d'un entretien avec un communiste qui nous a dit ceci. Alors, je ne vais pas retrouver la citation exacte. Si, là, voilà. À propos, on l'interrogeait justement sur la marque, la mémoire d'Yves Guéna aujourd'hui. Rien n'est visible aujourd'hui des 26 ans d'action d'Yves Guéna dans sa ville. Or, c'est un homme d'État. Il n'y en a pas beaucoup en Périgord dont la gestion fut correcte. Et puis, un deuxième témoignage, hein, anecdotique, encore une fois, c'est pas scientifique, mais d'un employé de la mairie, que je ne connaissais pas et qui ne me connaissait pas, qui nous a aidé à transporter des livres il y a quelques jours, et à qui je posais la question, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu Yves Guéna. Et il m'a répondu, si, si, j'ai été recruté à l'époque d'Yves Guéna. Il m'a fait passer un entretien dans son bureau. Et je peux vous dire que bien plus tard, alors qu'il n'était plus maire, mais moi j'étais toujours employé de la ville, il a traversé un jour la route pour me dire, pour me saluer et me donner et me dire bonjour monsieur avec le nom donc de cette personne. Il m'a dit, c'était le patron. Voilà. Donc, ces deux exemples un peu opposés, mais justement pour montrer la mémoire peut-être chez les Périgourdins. Mais je crois que ce qui est peut-être le plus intéressant, et je vais terminer par là, c'est que l'intérêt que cette exposition et ce colloque ont suscité, et la table ronde de ce matin notamment, hein, où l'amphithéâtre a été, c'est le moment où l'amphithéâtre a été le plus plein. L'intérêt que ces manifestations ont suscité, que la ville de Périgueux a aussi bien soutenu ce projet, montre finalement ce qui est peut-être l'image la plus forte finalement d'Yves Guéna en matière de mémoire, que c'était un homme qui dépasse les clivages politiques. Et en tant que spécialiste du gaullisme, d'histoire du gaullisme, je dirais, n'est-ce pas une preuve du gaullisme qu'il a incarné ? Le gaullisme initial, le gaullisme de guerre, le gaullisme des premiers temps, au tout début de l'après-guerre, c'est-à-dire un gaullisme qui n'était pas de droite, qui ne se disait pas de droite. On a souvent dit, en 1962, il se présente avec l'étiquette gaulliste de gauche, puis bon, on a vu son évolution, on a pu s'interroger sur ce que voulait dire gaulliste de gauche ou gaulliste de droite, mais un ancien conseiller municipal et un collègue me disait hier, est-ce que tu as souvent entendu Yves Guéna dire « je suis de droite » et je lui ai dit « non, jamais ». Alors, il est évident que la bipolarisation de la vie politique française à partir de l'élection présidentielle de 1965 a nécessairement amené à diviser, au deuxième tour au moins, les Français entre la droite et la gauche. Mais je pense que Yves Guéna était profondément imprégné de cette phrase qui date de 1965 du général de Gaulle, justement, « La France, ce n'est pas la droite, la France, ce n'est pas la gauche ». Et quand Michel Figeac évoquait son rapport à l'histoire de France, sans la rupture de 1789, c'est l'histoire du pays sur la très longue durée. C'est le pays. Je pense qu'on a vraiment là quelque chose qui est très profond chez Yves Guéna. Et dans sa mémoire, et cette mémoire, et cette conception du gaullisme et du dépassement des clivages, je pense qu'il l'a montré notamment à Périgueux, justement, et dans ses rapports avec les Périgourdins, un homme qui pouvait serrer la main d'un communiste, d'un gaulliste, qui avait ce contact, qui était accessible au-delà d'une étiquette politique. Et c'est peut-être ce que l'on peut, à ce jour, provisoirement en tout cas, mais dire de la mémoire d'Yves Guéna. Merci. Je termine le colloque ainsi, puisque mes collègues sont partis, hein, pour beaucoup d'entre eux, et on peut les comprendre, hein, en particulier tous ceux qui vont vers Paris. Il y a en plus apparemment quelques petits problèmes de train, donc ils sont désolés, mais je pense que vous avez apprécié de les écouter, que vous pourrez lire des choses intéressantes issues donc, de ce qu'ils ont pu dire.
Bonne soirée à tous, bonne continuation.